Adieu, monsieur d'Anjou. Au suivant. Regarder le film de 9h. Ça parle du Vietnam, puis mon ami Locke vient de là. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble dans son pays. Catherine, il est tard. Je dis ce que je pense de la violence au cinéma. C'est moins dangereux que tes expériences au labo. Nous interrompons cette émission pour vous communiquer un bref bulletin d'information. Marc D'Anjou, le célèbre biologiste montréalais, a été brutalement assassiné à sa résidence plus tôt dans la soirée. On ne connaît pas encore les raisons de ce meurtre. Marc D'Anjou et deux de ses collègues, assassiné? Emmanuel Marcoux et Étienne Beaulieu, étaient sur le point de faire une importante découverte portant sur la cellule artificielle à l'Institut de recherche scientifique de Montréal. Pauvre papa. C'était ton ami, hein? Non, Catherine, il faut absolument que je voie Étienne. Ça te dérange pas de rester toute seule un petit bout de temps? Mais pour le film. Ok, mais pas plus tard qu'à 11h. T'as de l'école demain. Va avoir ses chatons d'un jour à l'autre. Hey, je suis sûre qu'ils vont être sous bocal quand je l'ai eu. Veux-tu te dire que je t'en garde un? On n'est même pas dans le même cours d'histoire. Ah, mais de quoi tu parles, Stéphanie Poulin? De Monsieur Pépin. Je dois faire une recherche. Ben, il me semblait que tu détestais l'histoire. Oh, mais tu devrais le voir, hein. Il a des yeux, là. Il est tellement fin, tellement beau, puis tellement intelligent. Ok, j'ai compris. T'es encore en amour? Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial, celui-là? Et que tu peux être bébé. Ben voyons, Steph. Qu'est-ce qui est le plus bébé? Faire des plaisanteries ou pas savoir les prendre? Tu sauras, Catherine Marcoux, qu'on plaisante pas avec l'amour. Hé, hey, Locke, justement, tu tombes bien. Steph me boude, mais ça va passer. Mm-hmm. Est-ce que t'as vu le film hier? Ça se passait dans ton pays. Est-ce que c'est toujours aussi violent? J'en ai même fait des cauchemars. Mais non, il ne faut pas croire tout ce que tu vois à la télévision. Si tu veux, je pourrais te montrer des très belles photos du Vietnam. Tiens, tu veux goûter? On appelle ça le casard. Ce sont des rouleaux de printemps. Merci. C'est bon? C'est fantastique ce qu'on trouve dans les journaux d'ici. Est-ce que je peux te l'emprunter? Je veux juste voir s'il parle du meurtre de l'ami de mon père. Hein? Un meurtre? Oui. Le meurtre crapuleux de Marc D'Anjou. Il n'en parle même pas. Les enquêteurs ont sûrement rien trouvé. Moi, j'aime mieux les films de police. Il y aurait déjà plein d'indices. Moi aussi. Tu vas jusqu'où? Jusqu'à l'Institut de développement scientifique. Je vais chercher mon père. Hey, ma mère aussi travaille à l'Institut. Je vais la chercher tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille comme technicienne en laboratoire. Et ton père? Fait de la recherche. Ah. C'est peut-être pour ça qu'on a tué son ami. Il devait faire des recherches ultra secrètes. Mais si ça t'intéresse, je peux te faire visiter son laboratoire. Merci. Oh.
C'est bizarre. D'habitude, on m'ouvre tout de suite. Les recherches doivent être plus secrètes que tu penses. Viens-t'en, je connais un autre chemin. C'est un ami de mon père. Faut faire attention. Cet endroit est strictement réservé aux employés. Je suis la fille d'Emmanuel Marcoux. Je viens chercher mon père. Hein? Fille de... Bon, OK, je... Bougez pas d'ici, je vais vérifier. Mais le laboratoire est de l'autre côté. Il doit être nouveau. Hé, monsieur, vos lunettes! Est-ce que t'as remarqué? Il y avait un tatouage sur le poignet. On aurait dit un caméléon. Il n'a même pas essayé de reprendre ses lunettes. Merde, les lunettes! Vous avez eu plus de succès avec Mac d'Anjou. C'est juste la fille d'Emmanuel Marcoux qui est dangereuse. C'est pas sûr qu'elle saurait m'identifier. Mais ne vous inquiétez pas, je l'élimine pour le même prix. Votre échec, monsieur, peut me coûter cher. Très cher. Vous m'aviez dit qu'ils étaient toujours au laboratoire le vendredi à l'heure de l'explosion. Bon, admettons. Mais le temps presse. Et rappelez-vous, pas de traces, pas de témoins. Allez. Le dernier obstacle. Faut absolument que les recherches de Marcoux et Beaulieu échouent. Pas de découverte, pas de subvention. Alors, à moi, le plus beau projet immobilier du siècle. T'aurais pu te blesser. T'aurais même pu mourir. Ben, c'est mon père qui aurait pu mourir. Toi, t'as ton père, ta mère, tes frères puis tes sœurs. Moi, j'ai juste lui. Ta mère est pas morte. Des fois, c'est presque pareil. Je la vois jamais, puis elle m'écrit pas. S'il devait arriver quelque chose à mon père, je pense que je deviendrais folle. Il avait l'air vraiment bizarre, hein? Là qu'il a trouvé ses lunettes, puis c'était même pas des vraies lunettes. Catherine, il est tard. Vous avez de l'école demain. Bon, ben, je vais te laisser. OK. Bye. Bye. Tu l'as bien vu, hein, l'homme au caméléon dont tu m'as parlé. D'après moi, c'est lui qui a assommé le vrai gardien pour s'introduire dans le laboratoire. J'espère qu'avec le signalement que Locke puis moi on a donné à la police, on va vite l'arrêter. C'est bien ce qui m'inquiète. Parce que s'il s'agit, comme je le pense, d'un professionnel, non, vous donnez pour lui des témoins gênants. Catherine, je pense que pour un certain temps... Il vaudrait mieux que je t'accompagne et que j'aille te chercher à l'école. Veux-tu rire de moi? Je suis plus un bébé. Bon. Correct. Par contre, je tiens à ce que tu rentres immédiatement après l'école. Mais c'est ce que je fais déjà.
sais que je t'aime, toi. Bonne nuit. Hey, salut Catherine. Salut. On fait chemin ensemble? Je vais chercher ma mère. Non, pas aujourd'hui, Locke. J'attends Steph. Est-ce que t'as le journal? Il parle à peine de l'explosion, puis il mentionne même pas le faux gardien avec son tatouage. C'est peut-être pour nous protéger. Tu sais que c'est peut-être nous les prochaines victimes du caméléon. On dit toujours que l'assassin revient sur les lieux du crime. T'as raison. Dorénavant, j'ouvrirai l'œil. Et le bon. Est-ce que tu as parlé? Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a écouté. Je lui ai dit que je l'aimais. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit que j'étais un peu trop jeune, mais il m'a dit d'attendre quelques années encore. Que je serais appelée à vivre de grandes émotions. Bien. Tu vas voir que ta peine va vite s'en aller quand tu vas voir le beau petit chaton que je vais te donner. Bon, ben enfin, je vais pouvoir trouver ma meilleure amie puis parler avec elle de d'autres choses que de ses peines d'amour. C'est une farce, Steph. C'est rien qu'une farce. Sais-tu comment on appelle ça une bombe en vietnamien? Bombe. Presque comme en français. Et puis, bandit. Quoi? Mais c'est là qu'il meurt. Il est en salle.